retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Lord of the Fallen, l'épisode 3. Donc vous allez remarquer un petit changement au niveau de la qualité cette fois-ci. Parce que quelqu'un m'a aidé, merci Pilorox, pour m'avoir aidé à modifier un peu ma qualité. Et vous voyez qu'il y a du 1080p, oulala, c'est beau, c'est beau. Donc on va tout de suite continuer, donc j'ai un peu vidé la zone des ennemis qu'il y avait avant parce que j'ai redémarré la partie. Et quand on redémarre la partie, les ennemis reviennent. Donc on va tout de suite continuer. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que moi oui. Ce sera certainement des vidéos de 30 minutes, si c'est plus long ça prendra trop de temps. Déjà que là pour 30 minutes ça me prend à peu près 6 heures. C'est un peu long mais bon, je fais ça pour vous. Pour moi aussi mais bon. Ok, donc qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, donc comme vous voyez j'ai un peu changé mon équipement. Donc j'ai pris le secret mortel, le nouvelle arme. Un peu plus lourd, mais je suis tout le temps, je suis encore en capacité légère niveau roulade. Donc ensuite ça je n'ai toujours pas compris l'utilité, comment l'utiliser, etc. Ça c'est les équipements, j'ai laissé les mêmes, etc. Ça c'est, je me suis mis en intermédiaire, mais avec un objet en léger, comme ça je suis toujours en roulade légère. Si je mettais par exemple un autre, ça vous verrez que le poids qui est en bas à gauche passe du vert au gris. Quand on est vert, c'est qu'on est en léger, quand on est gris, c'est quand on est en intermédiaire. Donc voilà. Et à mon avis, quand on doit être rouge, c'est quand on est en lourd. Donc on va tout de suite continuer. Alors, j'ai plusieurs choix, je pense. Donc, soit par ici. Soit par là-bas. Je pense qu'on va aller déjà voir par là-bas. Passage extérieur. Oups. On va rien dire. On n'a rien vu. Heureusement que j'ai utilisé mon XP juste avant. Hein. D'ailleurs, j'ai envie de voir ce qu'il y a ici. Vite fait. On n'y est toujours pas allé ici, si je ne m'abuse. On ira plus tard. Donc on doit recommencer, donc on va prendre un peu de potion. On peut pas. Bon c'est pas grave, j'avais 25 d'XP, c'est pas la mort on va dire. Donc il faut que je me fasse à ce nouveau combo vu que c'est pas les mêmes combos pour chaque arme. Donc il faut que je m'y fasse. Donc cette face là je la connais bien, hein, pas difficile. Voilà. Donc on va tester un peu ces armes là, si je trouve qu'elles sont moins bien que les autres, bah je les changerai. Ah c'est vrai, ce coup, j'avais zappé. Attention. C'est plus le même temps de combo pour que pour l'ancienne arme, donc ça devient chaud. Ah oui, lui il est arrivé déjà. Ça va un peu se corser. Voilà. Désolé si ça lag un tout petit peu, normalement ça devrait pas trop laguer. Hein. On y retourne, hein. Je suis mort très bêtement. Ici normalement il n'y a personne. Y a personne. On va passer par là-bas. Voilà. Je ne peux pas passer par là. Je vais regarder si je peux pas atteindre quand même là-bas. Je devrais pouvoir atteindre ça quand même, hein. Allez, on retente. Non, trop loin. Trop loin, trop loin. Bon, on va retenter encore une fois. Hein. C'est pas grave. On va accélérer un peu. On fait toujours un peu plus d'XP. Et ça me permet d'entraîner mon arme. Donc pour se mettre en furtif, quand on joue sur un clavier, c'est contrôle.
Et pour faire un backstab, il faut faire... Moi je fais clic gauche, peut-être que clic droit ça fonctionne, j'ai jamais testé. En plus ça me permet d'avoir des objets, c'est trop bien. Allez, voilà. Chaque fois je me fais avoir. Voilà. On attend qu'il arrive. Qu'il va arriver par ici. Et voilà. Et voilà. C'est bien, en un seul combo j'arrive à les tuer. Ceux-là, mais les maraudeurs auront un peu plus de vie, mais c'est pas grave. Allez, on y retourne et on réessaye. Cette fois-ci, je n'oublie pas de prendre ça. Non! Ouf! C'était pas facile, hein. J'ai débloqué la clé des tours. Très très bien. Voilà, et la clé des tours c'est pour débloquer ça. Bien entendu. Ceci est ma sixième nuit de garde. Les feux à l'horizon se sont... Le silence de plomb est tombé. Peut-être les regards ont-ils battu en retraite. J'espère que les villageois pourront bientôt rentrer chez eux. Continuer sur ce chemin. D'accord, je me disais bien que c'était par ici qu'on pouvait revenir. Cette porte normalement est fermée, mais... Ça a pas marché. Ouais, réveille-toi, toi, je sais que tu es réveillé. Voilà. La dague de Yetka. Ouh. Très très bon dégât. Nice, nice, nice. En fait, je suis jamais venu ici, on dirait. Ils reviennent à la vie, c'est quoi ce bordel? Pourquoi est-ce que tu es revenu à la vie, toi? Alors, il y a des nouvelles armures, armures légères. Moins bien. On va regarder celle-là, et en botte... C'est bon. J'ai l'air d'être jamais venu dans cette tour. Moi, je suis jamais venu. Ah, c'était ici, d'accord. Ici, je me rappelle. On redescend. Donc, si jamais on veut revenir rapidement, il suffit de repasser par cette tour. Oh non! Flûte. C'était pas prévu. Il y a un peu beaucoup de d'argent, enfin d'XP, donc on va les récupérer comme ça. Voilà. On va mettre un point d'attribut, tiens. On va en mettre un. On va tout stocker en point d'attribut et on va en mettre un peu là pour
D'accord. D'accord, d'accord. Donc on va mettre un peu de points de foi. On va tout mettre. On va en mettre deux. Allez, on y retourne. C'est pas grave, je repasse par là quand même. On va déjà aller voir l'autre endroit. Ah, ils font très très mal ces dagues. Très 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 mal, ça c'est bien. Ah, je les one shot même. Oh, c'est très très bien. Ils font très mal eux par contre. Maintenant, ça va être assez facile de retourner à l'endroit. Mais on va plutôt partir de ce côté-là. On voit ce qu'il y a. Intéressant. Non, tu me bloqueras pas. Je sais que t'es pas mort. Voilà. Là, t'es mort. Donc, ces deux-là. Enfin, ceux-là reviennent à la vie. D'accord. Oh, elle est verrouillée. D'accord, je peux pas revenir pour le moment. Je reviendrai ici plus tard. L'éclat de poison, d'accord. Et donc on va retourner là-bas pour voir ce qu'il y a. Ça me fait de l'XP gratuitement, moi ça me va. Hein. Allez, du backstab. Des objets supplémentaires. Donc ce sera sûrement une petite vidéo, mais je pense qu'on va faire le boss dans cette vidéo, mais je suis pas sûr. On verra bien. Faut que je fasse attention à pas tomber quand même. Ce détail. Très dangereux. L'endroit où il était placé, c'était très dangereux. Voilà. J'ai failli tomber. Hein. Heureusement que j'ai fait la roulade au bon moment. Le préjugé, un bâton d'agilité, d'accord. Pour être très utile. Celles-là, elles font quand même assez de dégâts. Hein. Donc on va retourner en arrière. Je fais quand même attention à faire de roulade, on sait jamais. Hein. On va retourner en arrière, on va régénérer quelques potions et ensuite on va se faire le boss. Après il faudra que je revienne ici pour passer à la zone suivante, mais... Donc j'espère quand même que vous aimez bien la qualité, le 1080p, etc. Parce que je fais ça pour vous, pour améliorer la qualité quand même. Alors, j'ai assez. On va monter la foi une dernière fois. Voilà. On va quand même stocker un point d'attribut. Coup de poignard, c'est parti.
Comment changer de pouvoir? Attendez, je regarde dans les options. Les commandes. Une main, deux mains, c'est F. Position préférée. Parcourir gantelet, c'est J. Parcourir sur, c'est X, d'accord. Donc c'est X, ok. On va essayer ça sur lui. Attention! Il y a des monstres de votre côté! Voilà. C'est le... Ah d'accord. C'est la version améliorée de... D'accord, d'accord, je vois. Ok, une onde de choc. Un levé de bouclier pour pouvoir me parer. Un coup d'épée circulaire enchaîné. Ok, c'est ce coup-là qu'il faut... Ah oui, d'accord, un coup d'estoc. Ah flûte, j'ai loupé mon coup. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, protège le bouclier, d'accord. Ah d'accord, il s'est protégé. Faut que j'élimine cet ennemi. Alors je m'en portage toi one shot. Je fasse attention à ce coup. On va soigner un petit coup. Allez, prends ça. Il fait mal quand même mon ennemi. Hein. Mal quand même. Allez, dégâts du truc quand même. C'est énorme. Hein. Allez, il va pas tarder à mourir. Celui-là était assez simple quand même. J'ai tapé trop vite. Non, j'ai tapé trop tôt plutôt. Et voilà.
Commander. My Commander. Sous la carapace. Alors, nous avons son arme. Nous avons son bouclier. C'est un pavois aussi, malheureusement. On va retourner en arrière pour parler à la madame. La madame qui est ici. Encore vous? Je cherche une dague, ordinaire et rouillée. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? J'ai peut-être trouvé ce qui vous appartient. Mais oui, c'est elle. Ces gravures vont m'indiquer la direction du portail, dès que je les aurai déchiffrées. Puisque je n'ai plus besoin de fouiller les catacombes, prenez donc cette clé. D'accord, c'est bon. Je dois partir. Comme vous voulez. Quelle clé? Quelle clé m'a-t-elle offerte? Les clés des catacombes. D'accord. Donc là, j'ai combien? J'ai 3000. On va mettre quelques points de sort. Pourquoi ça marche pas le M? Ah d'accord, c'est du virgule. Non, on va juste mettre un point de sort vu qu'on n'a pas assez pour la suite. Et on va améliorer ce sort là. Le sort le plus puissant que je trouve, c'est le coup de poignard qui fait très mal. On va faire un petit F. Et on va améliorer un peu l'agilité. Voilà. Donc on a combien de temps? On va aller voir si la clé que nous avons est bien celle des catacombes. Enfin, la clé que nous avons, si c'est bien celle qui ouvre la porte qui est tout en bas. Vu que, attendez, on va quand même regarder en haut, mais je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire là-haut. Hein. À moins que je me trompe. Je me trompe sûrement. Hein. Mais pourquoi il me remet avec ce bouclier à chaque fois? Comment ça, mon arme? Oh non, flûte. Je lui ai donné mon arme. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'aurais pas dû lui donner en fait. D'accord, on va tester un peu cette lance. On va aller. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a rien. Il y a rien. Je vais regarder quand même. C'est bizarre quand même. Secret mortel. C'est une épée courte. Superficielle, ce sont des points. Voilà, c'est les dagues de base. Ouais. C'est dommage. J'ai l'impression que j'ai vraiment donné la dague. Ah bordel. Est-ce que je suis toujours en vitesse Ah non, toujours pas. Non plus. On va déséquiper ce bouclier. Bon, allons voir ce qu'il y a là-haut. Écartez-vous. Je cherche un homme nommé Caslow. Une seconde, je vous connais. Vous devriez être en prison pour vos crimes. Ça faisait longtemps, capitaine. Comment on se retrouve, capitaine? Un animal tel que vous n'a de place qu'en cage. Que venez-vous faire parmi les hommes d'honneur? Caslow a été bien sot de vous libérer. Je viens faire mon travail. Non, mes soldats font leur travail. Vous, je parie que c'est la cupidité qui vous pousse.
Vous, vous n'êtes là que pour votre intérêt personnel. Croyez ce que vous voulez. Surveillez vos arrières, Arkin. Des affaires m'appellent à la citadelle. Si Caslow vous fait confiance, c'est peut-être qu'il a reçu trop de corrections. Moi, je sais d'office qui vous êtes, et je ne vous laisserai pas entrer. Il essaie de trouver comment les Rogars sont entrés dans le monastère. Allez dans le cimetière. Vos ennemis ne sont pas tous des Rogars. Maintenant, fichez le camp et évitez de croiser notre chemin. Ah, flûte. Il a fermé la porte. Un nouvel type d'ennemi, d'accord. Donc on va retourner en arrière. On va voir si c'est la bonne porte et ensuite on s'arrêtera là. Bon, c'est vraiment dommage hein, que j'ai plus mon arme, mais c'est pas grave, on va faire avec celle-ci. Est-ce qu'il y a quelque chose ici au moins? Non. Là, il n'y a rien non plus, donc on va passer par là. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Hein. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire et je crois que je vais peut-être enchaîner sur une deuxième pour pouvoir essayer de vous en mettre deux d'un coup. J'ai pas assez d'expérience. Donc, allons voir. Et on s'arrêtera devant la porte si jamais c'est la bonne clé. Et j'enchaînerai tout de suite. Et vous l'aurez demain. Enfin, le jour après celui-ci, normalement. Alors, c'est la bonne clé. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. C'était TheZ pour la chaîne Chibon HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.